Bonjour à tous et à toutes, c'est Dame Damou. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo du clim que j'ai passé récemment avec Geeks. Donc avant tout je vais vous présenter les mobs dans ce donjon que vous aurez à affronter. On va commencer par le arrogant. Donc le arrogant se lance en buff et renvoie donc les dommages que vous lui octroyez en zone autour de lui. Donc la zone est marquée en bleu. Il lance deux sorts, un qui retire 4 de PO et un qui tape en fonction de sa vitamax. La zone la plus sûre pour ne pas se faire taper par le arrogant, c'est soit derrière un mur, soit à son cac. Une fois que vous l'avez taclé, vous êtes tranquille. Ensuite, le empaillé. Il a un sort pour se téléporter, qui le mettra sous état pesanteur le tour suivant, donc il ne peut TP qu'une fois tous les deux tours, et il lui octroiera 1000 de dommages. Donc là, c'est vraiment, faut vraiment éviter de se mettre à côté de lui le tour suivant. Il n'a que 2 PM et tape en ligne de vue en retirant des PM et en mettant en état pesanteur. Donc, sachant que qu'il est dans la salle du clim, et une fois passé le tour 3, si vous êtes un Yop ou un Xelor, un Feka, que vous avez besoin de changer de place avec un bon, une TP, et que vous êtes sous état pesanteur, là ça va être beaucoup plus compliqué. Ensuite, donc le gros druche et le cuirboule. Le gros druche, il a un sort, transit, qui le met en état indéplaçable. Et quand vous le taperez, il donnera 2 PM et 50 de tacle à tous les ennemis et alliés dans une zone. Une case autour de cette zone, il renvoiera tous les dommages que vous lui octroierez en dommages R. Donc, j'ai un mob assez simple à ce niveau-là. Il est indéplaçable, donc une fois que vous lui avez donné énormément de dommages, là, faut plus aller à son cac parce que il y a 12 000 de tacles et c'est impossible de le détacler. Il a deux sorts, un sort qui attire et un sort qui tape uniquement au cac. Donc là aussi, privilégier le mur. On se cache toujours derrière les murs ou les invoques ou bien les cases noires. Ensuite, le cuirboule. Le cuirboule, c'est faut absolument que vous ayez un retrait PM dans votre team, mais vraiment un gros retrait PM parce qu'il a une grosse esquive PM. Il a un seul PM. Mais s'il tape, sachant qu'il a son PM, il va taper extrêmement fort. C'est un peu comme le pulsar des roublards. Moins ils utilisent de PM, plus ils vont taper fort. Et ben c'est pareil avec le cuirboule. S'il n'utilise pas son PM, il va vous taper extrêmement fort. Alors que s'il utilise son PM avant de vous taper, il va rien vous faire. Quasiment rien. Donc là aussi, il faut faire attention que le cuirboule ne soit pas dans la même zone que le gros druche. Parce que sinon, vous lui donnez 2 PM par coup. Enfin, par ligne que vous allez lui donner, par exemple, si je mets une épée du jugement sur un gros druche, donc qui est un sort à 2 lignes, ça va donner 4 PM au cure-boule, et là, ça va aller assez mal. Donc, voilà, c'était tout pour la présentation des mobs. On va se retrouver pour le clim. Such as this. The computer technology. The history of the future. Rewind.
rewriting, recreating the same old programs over and over and over. What was wrong with the world's first musical instrument? Extremely low frequency. We live in a special kind of space. Alors, on va commencer par la base. Le Klim est donc invulnérable, comme tous les boss de Free Ghost et tous les boss qui sont sortis sur les nouvelles mages après Free Ghost. Cependant, il possède une petite particularité, il ne peut être désinvulnérabilisé qu'à partir du tour 3. Alors, pour faire sauter l'invulnérabilité, il faut pousser l'allié contre le Klim. Donc ça vous rappelle un peu l'obsidian, sauf que l'obsidian, c'était l'inverse. Fallait pas pousser l'allié contre le boss, fallait pousser le boss contre l'allié. Et donc là, forcément... Je vais pas dire que c'est plus simple, mais c'est plus facile à mettre en place. Et les invoques comptent. Aussi bien que dans l'obsidiante, si on pousse l'obsidiante contre une invoque, ça le désinvulnérabilise. Là, pareil, si on pousse une invoque contre le Klim, ça fait sauter l'invulnérabilité. Donc là, ça pourrait être vraiment très utile si vous tentez un pusillanime ou autre chose. Donc, ça tombe bien qu'il soit désinvulnérable, enfin qu'on puisse faire sauter son invulnérabilité qu'à partir du tour 3, parce que de toute manière on va le tuer en dernier, donc on s'en fout qu'on puisse faire sauter l'invulnérabilité qu'à partir du tour 3. Donc, alors, pour commencer, on va faire le mob le plus mobile et le plus chiant aussi, le Grodruche. Donc, le Grodruche va être très très chiant parce que il a son buff qui lui rajoute 50 de tac et 2 PM, je le rappelle. Et aussi dans la zone où vous pouvez aussi gagner 2 PM et 50 de tac. Donc les 2 PM sont très utiles. Là vous pouvez le voir, le Yop, il peut aller se foutre en zone stimulant. D'ailleurs je me suis mal placé parce que Geeks aurait pu foutre des PA sur le panda. On s'en fout. Après forcément vous rushez, vous enlevez des PM avec les Ultrof ou le Kra ou n'importe quoi. Donc le Grodruche il bouge pas trop. Vous pouvez aussi le désenvoûter avec l'appel fantomatique si vous avez envie. Si vous voyez qu'il a trop de PM et qu'il peut trop bouger. Boum, allez à plat, un coup de pelle fantomatique. Boum, il gagne que 2 PM. Et les Nus, s'ils jouent en dernier, c'est pas plus mal. Donc ensuite, une fois que vous avez tué le Grodruche, donc là vous voyez, j'ai fini avant le tour 3. Donc à partir du tour 3, il faut se placer sur les glyphes. Donc là, c'est vraiment le truc compliqué dans ce donjon, c'est qu'il faut se placer sur les glyphes pour éviter de se faire one shot. Parce qu'en fait, une glyphe vous met dans l'état police que vous avez au départ jusqu'au tour 3. À partir du tour 3, vous devez vous placer sur les glyphes pour vous remettre dans l'état police pendant un tour. Et si vous n'êtes pas dans l'état police, le mob qui joue juste après vous, vous one-shot. Donc, ça c'est fait. Ensuite, donc, l'empaillé. Alors l'empaillé, je le précise, il est mieux qu'il commence en haut à droite avec le cure-boule, sachant que le Grodruche et le Klim, c'est optimal s'il commence à gauche. Donc vous retenez bien, empaillé et cure-boule en haut à droite, et le Grodruche et le Klim à gauche. Donc là... L'empaillé était au centre, Geeks l'a dégagé au premier tour, ce qui nous a permis d'être plutôt tranquille jusqu'à tuer le Grodruche et ensuite passer au cure-boule. Donc là, forcément, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre qui est préparé, sauf de tuer le Grodruche en premier. Vous pouvez tuer soit le cure-boule, soit l'empaillé, au choix. Une fois que vous avez plus que ces deux mobs, vous choisissez l'un des deux, donc vous arrivez à esquiver le cure-boule tant que vous êtes à deux cases du cure-boule et que vous arrivez à faire un retrait PO et de mettre l'empaillé loin, vous pouvez choisir... celui que vous voulez. Parce que l'empaillé, il faut savoir qu'il est inoffensif lorsqu'il est loin et qu'il a un retrait PO. Donc c'est la clé Ultrof ou le Kra, dont c'est utile pour soit l'œil de taupe, soit la clé réductrice. Et une fois ça, bah, vous tuez les deux mobs tranquillement, toujours en vous plaçant sur les glyphes, l'enracinement du panda pour détecter le Klim plus facilement. Et il n'est pas inutile. Et donc voilà, quoi. Une fois que vous avez tué les deux, là vous avez fait la plus grosse partie du combat. Donc, maintenant vous avez tué les deux. Alors, dans la vidéo, j'ai décidé de tuer l'Unitrof. Il y a deux raisons à ça. De un, parce qu'il était inutile. C'est vrai qu'il ne peut plus faire la corruption. Le retrait PM, c'est carrément inutile. À la limite, le coffre animé, mais le coffre animé, on s'en fout, quoi. Drop un scalp ou une moustache, aucune utilité. On pourra le refaire plus tard. Mais aussi parce qu'il n'avait plus la libération et les glyphes étaient prises. Donc, forcément, j'ai dû le tuer. Mais ça n'a pas vraiment été une grosse perte tant que l'Enerypsa, le Yop et le Pandavoy survivent parce que c'est vraiment le gros trio. Dans quasiment tous les donjons de Free Ghost 3, c'est le trio qu'il faudra toujours garder en vie pour avoir des chances de gagner. Donc, alors, maintenant, le Klim. Donc, va y avoir un moyen très simple de le tuer. Donc, le panda va faire sauter l'invulnérabilité, soit avec un allié, soit avec son Wasta, soit avec son tonneau. Ensuite, le Yap va éroder et foutre des cocos, des destins au choix. Et donc, il va taper en érodant, quoi.
ce qui est vraiment le mieux pour que le clim ne tape pas trop trop fort, parce qu'il faut savoir que le clim tape en fonction des de son pourcentage de vie. Plus son pourcentage de vie est bas, plus il va taper. C'est pour ça que si vous érodez, au départ il a 12 000 de vie, vous le voyez, moi il a 9 000 de vie à la fin du combat. Et ben voilà quoi, si s'il est à 9 000 de vie, si je le tombe à 9 000 de vie, il a 9 000 de vie à max, il va pas trop me taper. Donc là vous tapez avec le yap en érodant forcément. Et ensuite, les Neripsa, ils soignent le clim. Donc pourquoi soigner le clim? Justement parce que je viens de l'expliquer, il tape en fonction de son pourcentage de vita. Et donc s'il est soigné, il va taper moins fort. Ensuite, donc là, il ne faudra pas oublier de bien se replacer sur le glyphe. Donc là aussi, l'enracinement du panda va forcément beaucoup vous aider. Surtout si vous tentez plus l'anime. Là, ça va vraiment être très très simple avec un panda bois. Et donc voilà, quoi, vous répétez l'action. Vous répétez l'action sur, on va dire, une dizaine de tours grand maximum. Et là, c'est bon, vous avez fini. Une fois que l'Enerypsa est mort, donc comme vous pourrez le voir sur la vidéo, l'Enerypsa va forcément mourir à un moment ou à un autre. Là, c'est vrai qu'il faut finir le clim dans le tour. Donc là, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai là aussi eu un gros lag. Et c'est vrai que j'ai vraiment spam mon bouton de Adestin pour vraiment la placer. Et elle s'est vraiment placée au dernier moment. Et c'était vraiment... c'était assez drôle. Et c'est pas si mal tombé que ça. Donc voilà. Là, je vais vous laisser jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, je vais annoncer la prochaine vidéo. Le petit au revoir, tout ça. Voilà, quoi, on se retrouve après. Voilà. Such as this. The computer technology. The history of the future. Rewriting, recreating the same old programs over and over and over. What was wrong with the world? First musical instrument. Extremely low frequency. We live in a special kind of space.
reliable. It's got an oscillator, such as this. The computer technology. The history of the future. Rewriting, recreating the same old program over and over and over. What was wrong with the world? First musical instrument. Extremely low frequency. We live in a special kind of space. Donc voilà, c'était le tutoriel Klim par Dame Damou. J'espère que vous êtes contents et que vous allez pouvoir le farmer maintenant. Donc, avant de vous quitter, je vais remercier quelques personnes. Donc déjà, je vais commencer par Piroco et Win et Lueur qui font partie de Foxonde et qui m'ont énormément aidé à avoir mes items. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai que j'ai pas mon ogre, j'ai pas mon turquoise, j'ai quasiment plus rien. C'est vrai que je me suis fait hacker il y a pas longtemps, comme l'a dit Mystix, mais il y a énormément de personnes dans l'Alliance qui m'ont aidé à me restuff et que je tiens énormément à me remercier. À remercier, comme Carline de Comeback, Maillon Rennes, donc Piroco, Lueur et Win, Mystix pour le voile d'encre, vraiment énormément de personnes, Castagnette pour les ailes de Sinistro Fou, et un énorme merci à elle parce qu'elle m'a prêté des items pour faire plusieurs duotages comme le Glour Céleste, le Peki, le Ouga, où je me suis vraiment senti vive parce que j'avais le Turquoise, j'avais l'Exo-PM que j'ai pas encore fait, j'avais les bosses rigides, j'avais l'ocre, j'étais avec mon gros mode, bon j'avais pas mon cram-cram mais Melty Wabi t'a remplacé, et vraiment merci à vous tous de m'avoir aidé et d'être encore derrière moi à me soutenir. Et j'aimerais aussi faire une mention spéciale à Substance et à Goultard Destructeur qui sont deux joueurs d'Ame Hero qui sont mes amis IRL et qui sont vraiment derrière moi, qui me soutiennent, et donc voilà. Au revoir à tous !